Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Et famille, j'étais en déplacement et du côté de Washington. J'ai été reçu par le président de l'UFDG. Le président Lasseloud Allé et sa femme. Et les responsables de l'UFDG. Vous savez, il y a des gens qui sont limités dans la tête. Moi, je ne suis pas limité, je suis guinéen. Et je suis fier de tous les Guinéens. OK? On peut être des adversaires politiques, pas des ennemis. Ceux qui pensent qu'il faut rester dans cette politique de haine, ça, c'est votre affaire. Si vous avez oublié le discours du bandit Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, que les Guinéens ne se parlaient pas. Les bandits ont profité de la situation à cause de cette politique de haine. Si vous pensez que moi, Damaro, je vais continuer sur ça, même si je serai opposé à l'UFDG, ça va être dans le respect. Je vous dis, même si c'est Sidya Touré qui vient demain, Sidya Touré, il m'invite, moi, Damaro, je vais répondre. Je vous ai dit, moi, mon combat, si ce n'est pas pour unir, rassembler, mais ceux qui pensent que, voilà, je vais continuer à faire comme les petits blogueurs, insulter les gens, raconter des salades, j'ai dépassé ce niveau. Voilà. J'ai dépassé ce niveau-là. Et je veux qu'on change de mentalité pour le bien de la Guinée. Les mentalités, voilà. La politique, ce n'est pas la religion, ok? Ce que vous devez mettre en tête, nous sommes tous des Guinéens. Partout où l'UFDG, ils ont des meetings ou quoi, on m'invite. C'est parce que je suis important qu'on m'invite. Sinon, tous les militants de l'UFDG, là, ils n'ont pas pu voir Lasseloud Allé. Moi, si j'ai l'honneur, là, j'irai. C'est comme certains militants de l'UFDG. S'ils ont l'honneur de voir le président Alpha Condé, ils vont le faire. Eux, c'est les bons Guinéens. Mais ceux qui pensent que non, il faut rester divisé, ne comptez pas sur moi. Voilà. Donc, ceux qui veulent, j'ai mis la photo. Ceux qui veulent, mettez vos commentaires bidons. C'est vous qui n'avez pas encore compris la politique. Nous sommes tous des Guinéens, on doit s'aimer. Pour le bien d'un pays. Il faut que vous changez ces mentalités-là. Fagné Béni. Les bandits, là, Mamadi a fait son coup d'état. Qu'on on ne se parlait pas parce qu'il y avait une politique de haine. Et moi, j'ai dépassé le niveau-là. Je suis parmi ces Guinéens-là qui rassemblent. Je suis parmi ces Guinéens-là qui apportent la joie. J'ai dit à quelqu'un, est-ce qu'on vous a parlé d'élection ou on a dit à quelqu'un, voilà, venez ici. Quand même, changez un peu. Hein? Changez un peu. Je vous ai dit. Si vous saviez ce qui est entre l'amitié entre ces leaders-là, vous n'allez même pas rester là à insulter. Moi, je vous ai dit, j'ai dépassé le niveau là, insulter. Insulter comme vous voulez. Moi, en tout cas, ceux qui m'aiment là, moi, les militants du RPG qui m'aiment, eux, ils ont compris. Eux, ils savent qui est en dessous. Mais le reste là, je n'ai même pas le temps pour vous. Je ne me justifie même pas. OK? Personne parmi vous ne paye mes passes. Ceux qui sont fâchés là, vous ne payez pas moi mes passes. OK? Si vous ne voulez pas la paix, pour qu'on respecte le président Alpha Condé, c'est nous, on a mené ce combat-là. Vous voulez que quelqu'un vous respecte, respectez la personne. C'est aussi simple que ça. Donc la famille, j'étais à Washington, voilà, à l'âme de l'Ilaï, et j'ai été bien reçu par le président Lasseloud Allé, par la maman nationale, voilà, et le combat continue, le combat. L'essentiel, c'est de faire partie les bandits. L'essentiel, c'est de faire partie les putschistes.
C'est Mamadi qui avait tenu des discours ici, que les Guinéens ne se parlaient pas. Oui, le RPG, l'UFDG était opposé. Mais aujourd'hui, là, Mamadi n'a qu'à être fier. Maintenant, des gens qui ne veulent pas voir cette unité-là, c'est eux qui parlent. C'est pourquoi je dis, je m'en fous. L'UFDG, les responsables n'ont pas de haine comme les responsables du RPG. Et c'est ça l'objectif pour faire partie de ces bandits-là. Si nous voulons faire partie de ces bandits-là, nous devons rester unis. Sinon, les bandits-là ne dégageront pas. Mais Inch'Allah, ils vont dégager. Inch'Allah, ils vont dégager. Vous avez déjà, vous voyez l'enthousiasme partout où on appelle. Les bandits pensent qu'ils vont empêcher les manifs. Mamadi, vous vous fatiguez. Les Guinéens vont sortir. On va demander votre départ. On va demander votre départ. Voilà. Donc, Abou Forlan, en tout cas, les fidèles des fidèles du RPG, ils sont tous fiers de mon déplacement. Et c'est ça les vrais Guinéens. Ils sont fiers. Ils sont fiers. C'est ceux qui pensent que la politique, c'est la religion, là. Que Damaro, nanani, nanana. Vous n'avez pas raison. Vous n'avez même pas honte. Vous dites que vous êtes Guinéen. Hein? Bon, regardez Moudi qui est là, là. Lamine Suleiman Kourouma. Vous savez, c'est vous les maudits. Qu'est-ce que vous appelez caméléon? C'est parce que vous êtes bête. Nalou, malou. Jusqu'à présent, vous ne savez pas c'est quoi la politique. Ce que vous devez mettre en tête d'abord, nous sommes tous des Guinéens. Collaborer avec un autre, avec tes adversaires d'hier. Nous ne sommes pas des ennemis. La situation du pays aujourd'hui nous appelle à nous donner les mains pour faire partie de ces voyous-là. Malou Danga Ding, il est la même Kokuruma. Aïla Kwanyonzi Danga Dindo Lene, des idiots comme ça là. Hé, hey, affichez-vous. Vous êtes du CNRD, affichez-vous. Mais arrêtez de faire le semblant des hypocrites que vous êtes du RPG. Non. C'est pas l'UFDG qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas UFR qui a fait le coup d'État. Mais tellement qu'ils sont bornés, ils ne comprennent absolument rien. Et nous, Kelly, oh non. Et Damarobara Massara, moi j'ai dit à quelqu'un ici, d'aller ici ou bien d'aller de l'autre côté, idiot là, c'est moi qui suis parti. Je suis parti avec vos pieds. Je suis parti avec vos mains. C'est moi. Ok? Je ne suis même pas du bureau politique du RPG. Mais je suis sympathisant du RPG. Je suis alphaïste. Alpha Condé à vie. Je suis Alpha Condé à vie. Vous les bornez là, vous qui n'avez pas compris. Même demain, l'UFDG, on m'invite. Je vais encore, je réponds. Moi, je suis allé voir des Guinéens. Je ne suis pas allé voir des ennemis. Je ne suis pas allé voir des Chinois. Je suis allé voir des Guinéens. Et je sais comment on m'a accueilli. C'est comme ça que nous voulons voir la Guinée. La politique ne doit pas être une haine. Mais ceux qui veulent nous diviser, là, les bandits du CNRD, quand ils ont fait le coup d'État, ils ont dit, c'est parce qu'on était divisés. Et moi, mon combat, j'ai tiré les leçons des discours de Mamadi. Nous allons faire la politique autrement. Mais la politique de haine, Peul, Soussou, Malinke, non, non, non. La politique de mérite. Ceux qui ont étudié, qui ont un niveau, qui sont capables de diriger ce pays. Notre politique, ça va être comme ça. Mais pas de vauriens comme les Mamadi Doumbouya. Si on avait aujourd'hui UFR à la tête du pays, la Guinée n'allait pas être comme ça. Si on avait l'UFDG ou on avait le RPG, notre pays n'allait pas être comme ça. Donc, vos mentalités bidons là, moi j'ai dépassé ce niveau là. Moi je suis sur un autre level, je vous ai dit. Je vois les gens de UFR, on m'invite, moi Damaro, je vais répondre. Vous qui pensez que la politique de haine, on doit continuer sur ça. Oubliez. On a oublié ça. C'est le mérite qu'on va parler en Guinée. Pas des vauriens qui sont à la tête de nos institutions là, non. Vous n'avez absolument rien compris. Hein? Vous n'avez absolument rien compris de moi. Et vous n'allez même pas me comprendre. Voilà.
Si vous voulez changer, changez. Mais vous ne voulez pas changer, restez des petites personnes. Hé, caméléon, regardez-moi des dougoulas comme ça là. Et t'en vois mané la guinéke, mère ralou, nga kombi tira, et ralou, hen ralou, mère tagi, ethnie fait. Nous sommes tous des Guinéens d'abord, les partis politiques. Aujourd'hui, qui va dire qu'il n'est pas heureux de voir demain El Assiou Dalé et le président Alpha Condé assis, Sidi Touré. Mais les bandits eux-mêmes, ils sont venus. Ce sont ces discours-là, ils ont dit. Mremounou Wayama, on n'était pas unis, nanani, nanana. Aujourd'hui, ceux qui mènent ce combat, rassemblez les gens, vous devez être fiers de nous. Parce que c'est ce que Mamadi a dit le 5 septembre. Mais il a mis les ethnos là, des ethnos. Hey. Allez-y parler aux gens. Moi, je suis alphaïste. Hein. Je ne suis pas du bureau politique. Ok? Je ne suis pas du bureau politique du RPG. Moi, je suis alphaïste. Et je vous ai dit, je vais toujours respecter Sélou Dalé. Je vais toujours respecter les leaders. Le Damaro d'hier est totalement différent du Damaro d'aujourd'hui. Moi, je vais être important pour mon pays. Je ne vais pas être celui qui va semer la haine en Guinée. Je vous ai dit, j'ai dépassé le niveau là. Un rassembleur, quelqu'un qui va être là pour unir les Guinéens, conseiller, mais pas Guinée Kombiti, Nere Nga Kombiti, ou bien parler de l'ethnie. Moi, je me trouve, c'est-à-dire, je suis forestier, je suis malinqué, je suis peul, je suis soussou, je suis Guinéen tout court. Ok? Vous qui n'avez pas compris cela, vous qui n'avez pas compris cela, vous pouvez continuer à penser. Donc, c'était ça la famille. Demain, Inch'Allah, je viens d'arriver de Washington DC. Voilà, j'ai été très bien reçu. Et le combat continue, Inch'Allah, demain. Face aux putschistes bandits, aux gangsters qui ont pris le pays en otage. Voilà. Donc, ne répondez pas à ceux qui veulent, ceux qui pensent autrement. Laissez-les, c'est un petit groupe. Ne vous fatiguez même pas. Que ce soit en commentaire, ne les répondez pas. Moi, j'ai déjà fini de faire ce que je devais faire. Voilà. Merci Mokhtar Ba, Abdoul Ba, Ablaï Sangaré, Boka Potter, Lansana Makangbe Kamara, Abaka So, merci à vous, merci à Kadiatou Bangoura, Chena Diallo, merci à vous. Non, ne répondez pas à ces brebis galeux des gens qui veulent jamais, qui peuvent pas comprendre, qui sont limités dans la tête, qui pensent que la politique c'est tout, c'est la religion. Voilà. Si vous n'êtes pas fier de vous retrouver dans les quatre régions naturelles de la Guinée, c'est votre affaire. Il y a des gens qui parlent, oh, nanani, nanana. D'abord, c'est le Fama. Moi, le combat que je mène, d'abord, je dis, je suis alphaïste. Le président Alpha Condé qui est fier de ce que moi, je fais. Vous qui parlez là, le Fama est fier de ce que je fais. Les responsables, d'abord, je ne vais pas dire le nom. L'un des grands responsables du RPG, lorsque j'ai quitté l'hôtel, il était fier de moi. Il m'a appelé. Il était fier. Lui, d'abord, il m'a appelé. C'est pas vous, les petites personnes. OK? Un grand responsable du parti, même. Il était fier le fait que moi, je me suis déplacé pour aller saluer El Assiou Dalé. Donc, vous qui pensez que c'est la politique, c'est la haine, continuez. Hein? Ne changez pas. Vous allez mourir de jalousie. Haine na ufarama. Beno nga umbalera so umburi yira. Jibori siga makianare. Onga nondi fala umburi be. Onga merit sa yare. Puke jibori rasiga yare. Ya me amene yira. Owa so reiki amene reiki. Utambe wa tanan tan yira. De konori comme ça là. Donc, merci à tout le monde. Tous ceux, en tout cas, qui prient pour nous, qui nous aiment. Le combat continue. Vive la Guinée. Et abat les putschistes. Abat les putschistes narcos. Abat ces incompétents du CNRD. Vive le retour à l'ordre constitutionnel. Et les jours à venir, les choses sérieuses vont commencer face aux bandits.
Déjà, le département américain, l'ambassadeur qui était déjà, il est rentré. Il va faire un rapport sur la Guinée. Donc, il y a tout ça aujourd'hui. Vous avez vu les Nations Unies, le rapport sur les bandits du CNRD. Aujourd'hui, aucune institution financière ne va donner quoi que ce soit à ces bandits. Et on vous le dit, si les bandits forcent la situation, après le 30e, on ne les reconnaît plus. Nous allons mettre un gouvernement parallèle à l'étranger. Wallahi, face à ces bandits-là. Partout, dans tous les ambassades, nous allons chasser les voyous. Ça, on vous le dit, hein. Après le 31 décembre, partout à travers le monde. Voilà.